Je suis citoyenne de Sainte-Ville, qui est située dans la communauté métropolitaine de Montréal. J'appuie entièrement les objectifs 1 et 3 du plan métropolitain, soit la préservation des terres agricoles, des espaces boisés, des cours d'eau et des milieux humides. Cependant, je suis préoccupée que la CMM ne propose aucun engagement concret afin d'atteindre ces objectifs. Cette vue satellite démontre que les derniers espaces verts de l'île de Montréal se trouvent autour du Mont-Royal et aux extrémités de l'île. Sainte-Ville est située à l'ouest. Je vous sollicite afin de renforcer la protection des terres agricoles et conserver notre grenier alimentaire et nos derniers refuges, grâce à la réalisation de la ceinture verte et bleue pour le Grand Montréal et la création du parc écologique de l'archipel de Montréal. La CMM a un rôle crucial dans la réalisation du parc écologique. Sa réalisation requiert cependant une volonté politique, un message clair et la participation de toutes les instances gouvernementales et municipales. Voici pourquoi. Tout d'abord, la réalisation du plan d'action du PMAD, selon les orientations proposées, doit donner un message clair aux municipalités. Ainsi, ces lignes directrices dirigeront l'élaboration des plans d'urbanisme municipaux.